CEPE Tanaville, réunion préliminaire de la CISCO. À 4 jours de l'examen officiel du CEPE, la circonscription scolaire d'Antananarivo a procédé à une réunion préliminaire à partir de ce jour dans tous les centres d'écrit de la capitale. Une deuxième réunion aura lieu lundi avant le jour J, a fait savoir à Souramasr Koutzaf, chef CISCO Tanaville. La CISCO d'Antananarivo se dit prête pour le grand jour. Tous les sujets d'examen ont déjà été parvenus aux arrondissements de la police nationale. Quant à la grève de la plateforme syndicale de l'éducation nationale, le chef CISCO a précisé qu'il reste toujours en contact avec ses enseignants. Pour la circonscription d'Antananarivo, aucun enseignant n'a encore manifesté son intention de ne pas assister aux examens. En revanche, la CISCO se prépare à toute éventualité et prévoit la mise en service d'enseignants remplaçants. La liste finale des élèves inscrits dans la circonscription d'Antananarivo est de 28 575. La Benjamine est âgée de 7 ans, tandis que la senior est âgée de 33 ans. Seront repartis dans 658 salles et de 40 centres d'examen. Les corrections des copies se feront dans 15 centres. Quant au résultat, la publication sera avancée car la CISCO utilise cette année un nouveau logiciel.